fois que passager est venu, il y a un hall de destination. Parce que si vous avez une île de caravane, il y a une île de caravane. Vous faites que passager est venu, il y a un bagage. Mais le passager a droit à 20 kg, effet vestimentaire. Bon, si le bagage, vous faites que vous avez 50 kg, on enlève les 20 kg, ça reste 30 kg. Le kilo c'est à 50 francs, après vous faites excédent. Vous faites que c'est des vaisselles. Voilà, c'est des denrées, voilà, essentiels. Le kilo c'est à 100 francs. Donc, vous faites obligatoirement. Vous faites que aussi c'est du fer. Le kilo c'est à 200 francs, c'est le divers. Vous faites que c'est de l'électroménager. Le kilo c'est à 300 francs, vous faites aussi. Consommer ce que je fais, c'est 20 kilos effet vestimentaire, tout court. Les gens qui ont été sur l'eau, vous faites. Vous droit aussi embarquer avec gaz. Gaz plein ou gaz vide, donc tout le monde donne aussi de embarquer parce que c'est formellement interdit. Alors, tout ce qui est produit congelé aussi, on pèse ça. Le kilo c'est à 150 francs, après nous avons beaucoup de congélation. Il y a des clients qui ont fait à l'arrivée, ils ont fait un compte. Par exemple, les hôtels, hôtel Kadjanouman ou les hôtels Flamboyant, ils ont fait un puzzle, après nous avons directement dans les valider scène. C'est un facteur. Il faut une facture. Mais à part nous, il une facture de fille, il faut une facture. Donc on est à bord du navire Aline Sitoye Diatta. Donc c'est un navire qui fait une ligne régulière entre Dakar et Ziguinchor. Donc actuellement vous êtes au Pullman C. Donc c'est pour les passagers qui prennent la troisième classe. Donc ici on en a trois. On a trois Pullman. Donc c'est des salles comme ça. Donc cette salle a une capacité de 126 personnes. Donc nous avons deux autres salles en bas. Donc après on va faire un tour pour les visiter un peu. Donc je suis avec le lieutenant K, donc le lieutenant de navigation. Donc je suis le lieutenant Sar Abdou, je suis actuellement le lieutenant de sécurité à bord du navire. Voilà, donc ce navire-là, donc, il a remplacé un autre navire qui était là, donc, qui s'appelait le navire Diola. Donc c'est pour faire des lignes régulières entre Dakar et Ziguinchor, donc la capitale et le sud du Sénégal. Donc les horaires, donc on fait deux départs à Dakar la semaine et deux départs à Ziguinchor. Donc aujourd'hui on est le vendredi, donc on va quitter Dakar pour arriver à Ziguinchor le lendemain. Donc on fait le départ ici aussi le mardi pour arriver à Ziguinchor le mercredi. Donc les départs à Ziguinchor c'est le dimanche donc, et le jeudi. Donc on fait deux voyages par semaine. La capacité actuellement, la capacité totale de passagers c'est 502 passagers. Donc actuellement on prend 502 passagers et 45 membres d'équipage. L'enregistrement, ça se fait à la gare. Donc, si vous voulez voyager, donc vous devez aller à la gare d'abord pour acheter votre ticket de voyage. Donc, soit vous prenez première classe, deuxième classe ou troisième classe. Maintenant, le jour du voyage, vous venez. Donc, il y a un système de vérification qui est mis en place. Donc, vous passez par un système de vérification, vous enregistrez vos bagages avant de monter à bord. Oui, ici, quand ils arrivent à bord, donc, aussitôt qu'on quitte, donc, il y a une vidéo de sécurité qu'on projette ici. Donc on rassemble un peu tous les passagers ici, donc on leur projette une vidéo de sécurité qui va leur montrer donc, quelles sont les mesures de sécurité qu'ils doivent respecter durant tout le voyage. Donc pour ne pas que leur présence à bord constitue une menace à la sécurité du navire. C'est le commandant qui est responsable exclusivement à la conduite et à la sécurité du navire. Donc le lieutenant, il est là, donc il y a deux lieutenants, il y a le lieutenant de sécurité et le lieutenant de navigation. Moi, en tant que lieutenant de sécurité, donc, mon travail se résume en deux choses. Je dois m'assurer d'abord que tout le matériel de sécurité soit en bon ordre, soit en nombre suffisant et à jour des tests et visites périodiques. Et de notre côté, je dois m'assurer aussi que l'ensemble des membres d'équipage soient formés à l'utilisation de ces équipements-là de façon à réagir efficacement en cas de situation d'urgence. Ouais. Voilà, le lieutenant de navigation, le lieutenant il est là. Donc, de navigation, c'est lui qui est responsable de la préparation de la traversée.
la mise à jour des documents et tout ce qui est documents nautiques, informations, c'est lui qui est le responsable. Oui. En grosso modo, c'est le rôle de l'internat de navigation. La mise à jour aussi des cartes nautiques, il y a des cartes de voyage. S'il y a des modifications sur la route, s'il y a des dangers, il faut écarter. Tout ça, c'est le lieutenant de navigation qui est le responsable. Les retards peuvent être causés par les passagers eux-mêmes. Des fois, parce que l'heure prévue de départ, c'est 20 heures. Des fois, il y a des retardataires. On attend, des fois, on a un retard d'une heure de temps. Des fois aussi, il y a des contraintes indépendantes de notre volonté liées à l'état de la mer ou à l'effet du courant. Dans ce cas, les passagers seront informés. Il y a, comme à bord, il y a trois services. Il y a ce qu'on appelle le service pont, qui sont responsables de la conduite du navire, ce qu'on appelle les officiers pont, le lieutenant de navigation, le lieutenant de sécurité de navigation, le second capitaine, le commandant. Mais le commandant, il ne fait pas le quart. Lui, il vient durant les manœuvres d'accostage et d'appareil. Si le navire quitte ou bien si on accoste. Si le navire, le commandant aussi vient dans des situations spéciales. Comme si on est dans le fleuve, le commandant est obligé d'être à la passerelle. Bon, nous, on travaille 4 heures de temps. Comme au départ, 20 heures. Moi, je travaille de 20 heures à minuit. Et de minuit à 4 heures, c'est lui qui vient. Et de 4 heures à 8 heures, c'est le second capitaine qui vient. Après, si le navire continue à naviguer, moi, je vais revenir à 8 heures. C'est comme ça se passe. C'est le Pullman B. Donc, c'est le même dispositif que le Pullman C, mais c'est une capacité de 66 personnes. Donc, au lieu de 126 en haut, nous avons ici une capacité de 66 personnes. Voilà, ici, c'est le restaurant passager. Donc, c'est pour les passagers qui veulent se restaurer durant le voyage. Donc, ils peuvent venir ici. Le petit déjeuner et dîner. Donc, ça a une capacité... Oui, tu payes. Donc, ça a une capacité de 106 personnes. 106 personnes. Oui, ça peut prendre jusqu'à 66. 66. Oui. Donc, c'est une embarcation de sauvetage que nous avons ici. Donc, c'est ce qu'on appelle la drone de sauvetage. Donc, c'est tous les équipements qui nous permettent d'abandonner le navire. Donc, parce que quand on est en mer, donc, il peut y avoir des situations d'urgence non maîtrisables. Ces situations-là peuvent nous amener à abandonner le navire. Donc, dans ce cas, c'est ces moyens-là qu'on va utiliser. On embarque les passagers à l'intérieur, on les met à l'eau et on commence à s'écarter. Donc, cette embarcation-là a une capacité de 25 personnes. On en a deux pour les embarcations. Mais on a d'autres moyens d'abandon en haut, qui sont les radios de sauvetage. Ici, c'est les gilets de sauvetage, quoi. Donc, pour permettre, lors de l'abandon, les gilets de sauvetage, lors de l'abandon, donc les passagers vont porter ça avant de monter dans les engins de sauvetage. De sorte que si tu tombes, si par méga, tu tombes par dessus bord, que tu puisses rester à flot jusqu'à l'arrivée des secours. Oui. Panneau de secours. Maintenant, lors de l'abandon, puisque les radios n'ont pas de moyens de propulsion, donc c'est les canaux de secours qui vont permettre de les remorquer parce qu'ils ont leur moteur. Donc c'est les canaux de secours qui vont les remorquer et les rassembler pour faciliter l'opération de sauvetage, pour que quand le secours arrive, donc ils trouvent tout le monde ensemble, qu'ils puissent les récupérer à temps. Donc c'est ici qu'on appelle la passerelle de navigation. Donc quand on est en mer, donc c'est ici qu'on contrôle la conduite du navire. Donc en permanence, il y a une équipe qui est là pour faire le contrôle de la conduite du navire. Donc c'est trois équipes qui se relaient tous les 4 heures. Donc de 20 heures à minuit, il y a une équipe. De minuit à 4 heures, il y a une autre équipe qui vient. Et de 4 heures à 8 heures, il y a une autre équipe qui vient. Donc on se relaie comme ça durant tout le voyage. Ouais. Donc maintenant, ici, nous avons tous les équipements qui nous permettent de pouvoir surveiller en temps réel donc les paramètres, la position du navire, exactement, et de prendre une décision au cas échéant.
je vais peut-être vous dire comment la visite est organisée. Nous avions prévu de vous recevoir d'abord ici au niveau de la direction pour vous faire une brève présentation du parc en général, donc de son organisation et de son fonctionnement. Ensuite, c'est une visite au niveau du zoo, où véritablement le responsable du zoo, qui est le major Haruna Diatta, va vous recevoir pour vous donner maintenant les explications par rapport donc, aux infrastructures, aux différentes espèces que nous avons, et éventuellement des informations sur leur mode de reproduction, sur leur alimentation et sur d'autres questions que vous voudrez bien lui poser. Donc pour ce qui concerne le parc de Anne, je vais peut-être faire l'historique. C'est un parc qui a été créé en 1903 par le gouverneur Merlin. C'était sous la forme d'un jardin public. Donc c'est en 1908 que la vocation a plus ou moins changé. C'était une station forestière en 1908. Qui était commune à l'ensemble des colonies de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'essentiel des espèces de flore qui provenaient de l'étranger et qui devaient être introduites donc, dans cet espace-là passait par ici pour une phase d'acclimatation. Donc c'est à partir maintenant de 1935 que le parc zoologique a été créé. Ce qui fait que, à partir de ce moment, le parc est constitué de deux entités, un parc forestier et un parc zoologique. C'est pourquoi on parle des parcs forestiers et zoologiques. Donc, en 1941 maintenant, le parc a changé de dénomination, c'est devenu parc forestier et zoologique. En 1942, à la suite d'un arrêté qui a été pris par le gouverneur, le parc a acquis donc, le statut de forêt classée. Donc brièvement, c'est ça que je peux vous dire du point de vue de l'historique, en attendant peut-être d'éventuelles questions que vous aurez à poser. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est deux entités qui est dirigée par une direction qu'on appelle direction des parcs forestiers zoologiques, à la tête de laquelle il y a un ingénieur des eaux et forêts, assisté d'un ingénieur des travaux des eaux et forêts qui est son adjoint. Nous avons un agent technique qui gère les aspects opérationnels au niveau du parc forestier. Au niveau du parc zoologique également, c'est pareil, avec maintenant un personnel fonctionnaire et une partie du personnel est contractuel, ce qui concerne les manœuvres et autres. Voilà globalement comment est organisé le parc. Pour maintenant vous dire comment c'est structuré, déjà nous avons un parc zoologique qui fait 7 hectares sur les 60 que compte le parc, parce que la superficie globale est d'environ 60 hectares. Les 7 hectares sont constitués par le parc zoologique, le reste, le parc forestier, où nous avons les plantations, mais également les bâtiments administratifs et autres. Qu'est-ce que je peux dire après par rapport à ça? Donc, pour le parc forestier, nous avons une surface boisée d'environ 24,6 hectares. Et à ce niveau, ce que je retiens, ce que je dis souvent aux autorités, c'est qu'il y a un amenuisement progressif donc, de ces surfaces boisées, parce qu'il y a une vingtaine d'années, cette superficie s'étendait sur près de 40 hectares. En tout cas, du point de vue des statistiques, nous avons constaté qu'en deux décennies, cette superficie boisée a diminué de presque 30%. Cette diminution est liée à des facteurs dont les inondations. Certainement, certains d'entre eux ont dû voir à travers les médias donc les problèmes d'inondations que le parc a connus. Et ces inondations sont en fait le résultat de plusieurs facteurs. Il y a d'abord le fait que les quartiers environnants ont connu une certaine évolution du point de vue de l'habitat. Et qui dit habitat en milieu urbain, dit imperméabilisation du sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a du sable ici,
et qu'il pleut, une bonne partie des eaux de pluie s'infiltre. Mais lorsqu'on met du bitume ou bien du béton, l'eau ne s'infiltre plus, donc on a imperméabilisé le sol. Cette eau qui devait s'infiltrer ici, maintenant, va ruisseler vers les points bas. Maintenant, si c'est à l'échelle d'une collectivité territoriale, vous voyez ce que ça donne en termes de quantité d'eau qui ruisselle vers les points bas. Et c'est une cause surtout des problèmes d'inondation. Parce que le réseau d'évacuation des eaux que nous avons ici était dimensionné en fonction donc, des quantités d'eau que le parc recevait. Aujourd'hui, nous avons un apport extérieur qui fait que ce réseau est surexploité et ça entraîne des inondations. L'autre aspect, c'est que nous avons les infrastructures qu'on appelle les grands projets de l'État, notamment le train express régional qui passe entre le parc et l'océan Atlantique. Quand on sait que les eaux du parc sont acheminées vers l'océan Atlantique à travers un canal, vous comprendrez que, en fait, une infrastructure de cette taille va nécessairement impacter le parc de ce point de vue-là. Donc, c'est ça qui fait que nous avons des inondations qui sont récurrentes et les espèces qui ne résistent pas aux inondations permanentes sont asphyxiées, ce qui entraîne de très fortes mortalités au niveau des zones boisées. Donc ça, c'est un aspect des problèmes que nous vivons. L'autre aspect, c'est la vétusté, en fait, de certaines infrastructures. Vous voyez nos bâtiments qui datent de l'époque coloniale. Je vous ai dit que le parc est créé en 1903. Donc ce qui fait que il faut, disons, un renouvellement donc de ces équipements, de ces infrastructures qui soit sont vieux ou sont obsolètes, sont dépassés par le temps. Au niveau du zoo, c'est pareil. La vétusté et l'obsolescence des infrastructures, mais également la perte de diversité du point de vue des espèces. Parce qu'il y a un certain nombre d'espèces que nous avons et qui ne se reproduisent pas in situ, qui ne se reproduisent pas sur place, pour diverses raisons. Maintenant, ces espèces, comme je le dis souvent, c'est des êtres vivants comme nous. Par essence, ils naissent, ils grandissent, ils vieillissent et ils meurent. Donc, une fois qu'ils ont atteint un certain âge, ils meurent. S'il n'y a pas une reproduction in situ, on perd cette espèce-là. La seule possibilité en ce moment de garder cette espèce-là au niveau du zoo, c'est d'aller en chercher, soit à travers des échanges ou par achat ou bien, disons, dans le cadre de la coopération avec des pays. Donc, ceux qui ont fréquenté le parc il y a 10 ans savent qu'on avait un puma, on avait également un tigre, par exemple. Ces espèces sont devenues vieux, ils sont morts, mais on ne les a pas remplacés. Donc, il y a cette perte de biodiversité que nous connaissons due donc, à la mortalité qui n'est pas remplacée par les naissances. Donc, je suis avec mon personnel. Ils ont fait des années ici. Moi, je vais presque faire 2 années. Il me manque, mois de février, j'aurai 2 ans ici. Donc, vous êtes au niveau du parc zoologique de Anne, créé depuis 1935. Donc, qui dit depuis 1935, voyez que c'est au temps du colon. Donc, c'est créé par les colons depuis 1935. Le zoo a une superficie de 10 hectares. Mais présentement, on n'a occupé que les 4 hectares. À ce taf-là, ce n'est pas 10 hectares, mais c'est 7 hectares. 7. Actuellement, on n'a occupé que 4 hectares. Il reste 3 hectares qui ne sont pas encore occupés. Donc, sur le plan des infrastructures, nous avons 28 cages. Nous avons 13 enclos, 9 volières et 3 fosses. Sur les espèces,
Nous avons un total de 27, donc 26 espèces. De 26 espèces. Avec un total de 195 animaux. Allant des antilopes, des carnivores, du volaille, des reptiles. Donc c'est toutes sortes d'espèces qui sont là. N'est-ce pas? Donc sur le plan organisationnel, on travaille avec 19 personnes. Constituée d'un agent technique que je suis, Major Aruna Diatta, qui suis le responsable du parc zoologique de Anne. Nous avons un guichetier qui se charge de la vente des tickets au niveau de l'entrée. Nous avons un soudeur avec son équipe aussi qui sont chargés de s'occuper des cages. Nous avons un boucher qui abat les animaux pour la nourriture des carnivores. Et le reste maintenant de l'équipe se charge du nettoyage des cages et de l'alimentation des animaux. Il y a aussi l'entretien des fleurs, du gazon, tout ça. Pas de permis de travail, c'est à la portée de tout le monde. Donc il y a plus de 650 personnes qui vivent à l'exploitation du sel, mais les deux qui ne sont pas du Sénégal. Il y a beaucoup de frères maliens et beaucoup de frères guinéens. Et maintenant l'exploitation du sel, c'est fait avec des barques. Une barque comme ça, un long bateau à bouffer d'acier, une tamie et une perle. Arrivé dans les barrages, il descend, l'eau sale jusque-là. Au fond de l'eau, le sel est dur et ferronné. Avec ce long bateau à bouffer d'acier, ils vont casser le sel au fond. C'est une courbe de cèpe. Une fois cassé une très grande cripaille de cèpe, les tamis plongent dans le lac. Eux, ils ne plongent pas, mais c'est les tamis qui plongent dans le lac et le coin entre les gens. Avec la petite lampe, les tamis, après, ils vont puiser pour déverser dans les bases. Et l'exploitation du sable dure une heure de temps pour remplir la base de cèpe. Et si toutefois la barque de sable contenait une tonne de cèpe. Donc, les messieurs ramasseurs de sel, eux, ils sont obligés de protéger la boue. Du coup, ils s'enduisent le corps avec du bois de caillou. Maintenant, si c'est les baigneurs 15 à 20 minutes, on flotte. Et ça soigne les maladies dermatologiques, les courbatures et les arthroses. Et l'argile noire qui au fond de l'eau, c'est pour faire des gommages et des masques. Nous tenons quand même au nom du chef du département à remercier l'ensemble des étudiants et nos braves partenaires qui sont toujours avec nous, surtout le commandant Abdoulaye Ndiaye, qui est un excellent élément quand même en termes de ce qu'on appelle donc de protection de l'environnement, et il y avait aussi le commandant Samb. Alors les visites pédagogiques s'inscrivent aussi dans la formation professionnalisante de l'université du Sine Saloum, qui est une université à vocation agricole avec les métiers connexes. Aujourd'hui, ces visites s'inscrivent dans la même dynamique et la politique de l'université qui consiste à former les jeunes Sénégalais aux métiers de l'avenir, notamment l'environnement et autres. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain, pour au moins permettre aux étudiants de se familiariser avec les réalités du terrain, qu'on les apprenne au niveau de ce qu'on appelle donc des salles de cours. C'est ça en réalité le gros morceau pour les visites pédagogiques. Nous avons fait d'abord le port autonome de Dakar. Pourquoi le port autonome de Dakar? Parce que là nous avons les infrastructures portuaires, et comme les étudiants font l'administration des affaires maritimes, et donc il y a toutes les catégories d'activités maritimes qu'on retrouve au niveau du port, y compris les infrastructures comme le navire, l'exploitation, ce qu'on appelle donc du navire, et maintenant il y a la mer qui est à côté, et la mer aussi c'est un élément de l'environnement. Alors nous avons fait encore le parc de Anne, qui constitue donc un parc de loisirs, aujourd'hui qui fait partie quand même des parcs qui ont presque les catégories de la biodiversité et de l'écosystème. Et après, nous avons aussi fait ce qu'on appelle donc le raclose aussi, qui constitue quand même, disons, un don de Dieu, comme si je peux l'appeler comme ça, que la nature aussi a offert à cette partie de la population du Sénégal. Bon, là, on vient de voir l'agrose, qui est une zone humide et qui a plusieurs caractéristiques. Mais au moment de l'exposer, on a vraiment vu
les enjeux économiques qui est très important. Ou peut-être avec les perspectives, on va voir comment envoyer des étudiants pour travailler sur l'enjeu écologique de la zone. Et que aussi cette zone fait partie de la zone de décompte, hein, les Niaï. Parce que chaque année, on fait ce qu'on appelle les décomptes d'énormément international des oiseaux d'eau. La direction des parcs nationaux au cordon. Et que aussi cette partie-là fait partie une partie intégrante des Niaï. Et que aussi pas mal d'espèces, hein, d'oiseaux sont dénombrées ici pour vraiment montrer l'enjeu écologique de la zone.